Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du let's play consacré à Darkest Dungeon. Alors évidemment vous êtes peut-être un peu surpris de voir tout ce monde là. Et bien oui, figurez-vous qu'il y a eu un problème, un pet très sérieux sur mon dernier enregistrement, à la fois sur Darkest Dungeon et sur Card Hunter. Mes deux sauvegardes ont été perdues, tout simplement. Voilà, mes deux sauvegardes perdues. Donc ça, c'était évidemment pas top. Donc du coup, eh bien, il y a au total donc deux vidéos, une de Darkest Dungeon et une de Card Hunter que vous ne verrez jamais, puisque les fichiers, les enregistrements ont été corrompus et perdus à tout jamais. Donc, il s'est pas forcément passé grand-chose. J'ai surtout en fait recruté plein de monde. Je suis allé dans un deuxième donjon qui était relativement tranquille et qui s'est plutôt bien passé, avec tous ces personnages-là qui sont nouveaux. Lone Wolf, Medusa, Nazareth, Cyanure, j'ai repris évidemment les noms des personnes qui s'étaient inscrites. Il me reste 4 places, donc normalement ici on devrait avoir la possibilité d'en prendre encore 3. On a un nouveau Plague Doctor qui est là, voilà, qu'on va embarquer. On a un Bounty Hunter. Ok, et on a un Houndmaster. Très bien. On est à 11 sur 12 au niveau du roster, donc on est plutôt pas mal. Alors voyons voir un petit peu ces nouveaux venus. On a ici un magnifique Houndmaster avec son chien. Donc ça c'est vachement bien. Ses positions préférées c'est en 2, 3 ou 4ème position. Si on regarde les stats, effectivement les positions 2, 3 ou 4 permettent d'utiliser toutes ses compétences, donc c'est plutôt pas mal. Sauf que, alors, en maître chien, qui... Alors j'avais Merek qui voulait être... qui souhaitait être Beastmaster. Voilà, bienvenue à toi Merek. Bienvenue à toi mon ami. Nous avons ici... Alors, un Bounty Hunter. Alors, j'en avais d'autres des Bounty Hunters aussi. J'avais Shanner qui voulait être Bounty Hunter. Donc, Shanner, soit le bienvenu parmi nous. Alors, lui, ses positions préférées, c'est 2 et 3ème position. Alors, il est pas mal, lui. Quoi que là, Flashbang, Finish Him. C'est quoi ça? Attaque de mêlée, critique, modification 2%, plus 25% de dégâts contre des... Ouais, lui c'est vrai que c'est un petit peu sa spécialité au Bounty Hunter, chasseur de primes. C'est que effectivement, il a tendance, il a des compétences en fait qui font des dégâts supplémentaires sur des personnes qui sont déjà ciblées ou marquées ou assommées. Voilà, c'est un bon finisseur. Une fois qu'un ennemi en fait a un changement de statut, voilà, il est très très bon pour ça. Par contre, il a un lazy eye, on s'en fout un peu. Donc effectivement, il a un œil un petit peu de traviole, donc il a moins 5 en précision pour les compétences des attaques à longue portée, mais lui c'est un attaquant au corps à corps, donc c'est pas très grave. Et il est obsédé par cleanliness, par la propreté. D'accord. Natural swing. Plus 5 par contre en précision, il a une espèce de swing naturel avec son arme qui fait que il frappe de manière efficace. C'est plutôt pas mal tout ça. J'ai un autre Plague Doctor ici. Ah, je crois que un d'entre vous récemment s'était inscrit pour être Plague Doctor. C'était qui déjà, bon sang? Ah mince, j'ai oublié. Eh bien, je le ferai un peu plus tard. Ouais, il faut que je retrouve le nom de celui... Il y en a un là, un peu in extremis qui m'a dit qu'il voulait être Plague Doctor. Et j'ai un trou de mémoire là. Donc on fera ça après. Alors par contre, j'ai Lone Wolf là. Alors... Qui apparaît avec donc un point d'interrogation. Donc on ne sait pas exactement où il est rendu, lui. Pour l'instant, le plus costaud, c'est Miséricorde. Bon, là, il commence à être un peu en stress, hein, mais il a enchaîné des combats. Voilà, il a fait tous les donjons, lui, pour le moment. Donc on va, je pense, lui accorder un repos bien mérité. Par contre, je ne sais pas... Oh là là, oui, puis alors, dites-moi... ouais, non, là, c'est pas possible, hein, il ne peut pas continuer comme ça.
On a le sanitarium qui permet de faire des traitements pour enlever les négatifs. Quirks and treat disease, voilà. You can also use it to reinforce a positive quirk. Ok, ça permet effectivement de traiter un petit peu les différents traits. Alors, treatment library. Ça permet de faire quoi? Réduit le coût of sanitarium quick treatment, reduce the cost of sanitarium disease, increases the number of sanitarium treatment slots. J'en ai plusieurs, je pense, qui ont besoin d'être soignés. Le problème, c'est que je n'ai pas le nombre ici de crests nécessaires pour pouvoir débloquer ça. Donc je peux juste réduire le coût, en fait. Huh. C'est vrai que j'en aurais bien mis plusieurs en traitement. Alors. Ah, ça coûte cher, hein. Oh la vache. Donc, moins 5 damage or range skills, on s'en fout un peu. Ça, par contre, c'est quand même très gênant. Moins 10% aux dégâts si la torche est au-dessus de 75. Il est sensible à la lumière. Comme je me débrouille toujours pour avoir une lumière assez élevée, c'est pas génial. Kleptomaniaque. On s'en fout un peu. Et ça aussi, à la rigueur. Je vais peut-être lui enlever le light sensitive. Voilà. Qu'il a été foutu là-dedans. Il est en traitement, donc pour l'instant on va le laisser là. Et je n'ai pas d'autres slots pour le moment. Le slot, il me coûte trop cher en crest, je ne peux pas le faire, donc je vais attendre. Je ne vais pas dépenser plus, pour l'instant, davantage. Donc du coup, pour le prochain pour le prochain donjon, alors j'ai Lone Wolf aussi dont, pour qui je me pose un petit peu des questions. Il a plein de qualités, hein. Il a plein de qualités, notre Lone Wolf. Et oui, il a un œil de lynx naturel avec plus 5 en accuracy pour les attaques à longue distance. Il est doué également dans le scoutage, dans la reconnaissance dans les ruines. Il a le sang épais, ça veut dire qu'il résiste au blight. C'est pas mal du tout ça, hein. Et à côté de ça, il est satanophobe. Bon, il a du mal à résister au stress contre les créatures maudites. Ce qui est mort-vivant, etc. On a débloqué entre-temps, bien sûr, le blacksmith, de même que la guilde, pour améliorer les équipements et les compétences. On n'a pas encore le nomade wagon. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Oh, on a pratiquement tout, du coup, maintenant. Ouais. Alors, lui, voilà, pour l'instant, il est perdu. Donc, voilà. Je sais pas, il s'est barré quelque part. On le récupérera sans doute à un autre moment. Miséricorde. Alors les autres. Alors il y a Cyanure qui n'est pas en bon état du tout. Il a une affliction en plus. Hopeless. In town will never drink. Donc ça c'est une résolution. Il ne boira jamais. Ok. Et en plus il a un niveau de stress qui est très élevé. Donc Cyanure, on va l'envoyer peut-être dans l'abbaye. On pourrait le mettre en méditation. On sait que il y a quelqu'un, je sais plus qui est. Ouais, c'est Jaenel qui est très porté sur la méditation. Obsessed with food, obsessed with killing. Ah la vache. Ils sont en train de se choper des sacrés tares, donc il va falloir les soigner. Bon, on va déjà essayer d'améliorer un peu le stress de Cyanure. Vu sa tête, je pense que la flagellation, c'est quelque chose qui lui irait tout à fait. Voilà. Donc, Cyanure est parti se flageller. Nazareth. Ah. Elle a été témoin de quelque chose de troublant. Donc elle ne prendra part à aucune activité pour prier dans la ville. Ça, il faudra peut-être lui enlever ce trait. Bon, en tout cas, elle est en niveau de stress assez bas, hein. Elle est à 4 sur 200, donc il n'y a pas de souci. Alors, on va constituer donc une nouvelle équipe. Par contre, j'ai pas mal d'aventuriers qui se retrouvent au niveau 0. Sort by level. Voilà, on va mettre ceux-là d'abord, en premier. Voilà, ça c'est tous nos nouveaux héros. Donc il y a Cyanure qui est parti. Là, il faut que je retrouve le nom aussi.
de la de celui qui parmi vous veut être Plague Doctor, puisque j'ai oublié. Alors, Merek. On va envoyer Merek, on va envoyer Shanner. J'aimerais bien les passer niveau 1, en fait, tout simplement. Donc, Merek, en position préférée, il est pas mal parce qu'on peut vraiment le mettre avec les compétences qu'il a sur n'importe laquelle de ces trois positions. Donc, c'est très très souple. Shanner, c'est plus limité. Si je le mets en 2, par exemple, voire en 3, il aura accès à toutes ses compétences. Le Plague Doctor qui est ici, je vais pas l'embarquer pour cette mission. Ah, lui aussi, il a des problèmes de résistance au stress s'il y a trop de lumière. Hein, c'est pénible ça. Va falloir leur enlever hein, toutes ces tares parce que ça va être chiant. Il va me falloir obligatoirement une. Voilà, une Vestale. J'en ai deux. Hein. J'en ai deux. J'ai Jaenel. Et puis j'ai Nazareth ici, qui est clumsy. Elle a du mal à esquiver. Et elle est zoophobe. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de bestioles dans le premier donjon. Elle résiste bien sinon aux maladies, elle résiste bien au stress à l'intérieur du cove, mais le cove on n'y est pas encore. On va envoyer Nazareth, je pense. Et il me faudrait quelqu'un d'assez costaud devant. J'ai pas miséricorde pour cette. Ah, il y a Médusa qui se plaît très très bien quand elle est devant. Et ben, on va partir comme ça à ce moment-là. Alors, est-ce que peut-être je peux soigner éventuellement d'autres personnes? Il y a Cyanure qui est pris en charge. Jaenel, elle ne va pas y participer, mais elle a très très peu de stress. Non, pas spécialement. Alors, on va voir si on pourrait pas augmenter, par exemple, comme elle va être devant. Je me demande si Médusa, ne pourrait pas avoir une meilleure armure de cuir. Ça lui ferait quoi? Ça lui ferait HP de base 31 et un dodge à 15 au lieu de 10. Pour 750, ça vaut carrément le coup. C'est clair. Ça vaut carrément le coup. Peut-être même qu'on pourrait. Je pense à Shanner qui est quand même en deuxième ligne. Ah oui, non, il faut qu'il ait 1 en resolve. Pour l'instant, il est à 0. Donc il peut pas. Et au niveau des skills, c'est pareil, il faut avoir 1 en resolve. Médusa. Ah non, il me faut une soigneuse plutôt. C'est Nazareth que j'emmène. Elle est niveau 1, donc normalement, voilà, ce que j'aimerais, c'est augmenter sa capacité de soins. C'est hyper important. Évidemment, ça coûte 225. Hop, ça c'est bon. Ensuite, Médusa. Alors, parmi ses attaques, ça c'est son attaque de base. Qui peut quand même faire pas mal de critiques et qui fait assez mal dans l'ensemble. Le Iron Swan qui frappe celui qui est derrière, ça c'est assez intéressant comme capacité. Ça augmente son accuracy et la probabilité de critique. Il y a le Barbaric Yope qui fait. Ah, c'est intéressant le niveau. Ouais. Elle peut apprendre aussi, bien sûr, de nouvelles skills. Hein. If it bleeds. Ça, c'est target bleed. 2 points par tour pendant 3 tours. Donc, on a une attaque de mêlée avec une précision de 85 et qui, en plus, peut faire saigner la cible et qui fait 100% des dégâts normaux et qui frappe les ennemis en position 2 et 3. C'est pas mal, hein, quand même. Breakthrough. Donc là, elle fonce dans le tas. Alors, c'est moins 55% des dégâts, bien sûr. Et surtout, moins 20% de dégâts et moins 15 en dodge pendant un certain laps de temps. Puisqu'elle s'est un petit peu mise en danger. Adrenaline Rush. Donc, elle fait plus de dégâts. Elle a plus de curiosité. Elle peut également soigner le blight, le bleed. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Elle va acheter cette nouvelle compétence. Alors on peut en avoir que 4 qui sont actives. Donc j'irai voir après ce que je peux changer.
J'aime bien moi cette attaque aussi là qui frappe derrière là. Peut être très utile pour se débarrasser de quelqu'un qui nous embête à distance. Je vais l'améliorer ça. Nazareth, reviens pas ici ma grande. Est-ce que tu n'aurais pas d'autres? Ah, ça c'est bien. Le party heal, c'est intéressant aussi ça. Judgment. C'est pas mal parce que ça c'est une attaque à longue portée avec moins 20% en dégâts et il se soigne de 3 points de vie. Ça m'intéresse pas mal ça. Et ça c'est son attaque de base, un coup de masse dans la gueule. Ouais, bon. Moins 20 en dodge. J'ai pas forcément eu les compétences que j'aurais préférées avec elle, donc je vais peut-être rebalancer tout ça. On va prendre le Divine Comfort et on va le booster. Non, on va pas le booster. Par contre, je vais prendre le Judgment que j'aime beaucoup et je vais le booster d'un. Voilà. Divine Comfort, ça coûte combien? 225. Allons-y, soyons pas rapia. Voilà. Donc, ensuite, donc j'ai modifié. J'ai pas mal modifié Médusa. Donc je ne peux avoir que 4 compétences actives. Donc le Adrenaline Rush qui m'intéresse. Bleed Out. Ce qui m'ennuie c'est le moins 20% et le moins 15 en dodge. Ça me saoule un peu ça. Ça peut faire du stun sur les deux premiers. C'est assez intéressant, surtout en combo avec Merrek. Qui a une attaque spéciale pour faire très mal à ceux qui sont stun. Donc ça on va le garder je pense. Iron Swan je l'ai boosté alors c'est pas pour l'enlever. Je pense que je vais enlever celui-là et que je vais prendre l'Adrenaline Rush à la place. Voilà. Ce qui me permet quand même de faire plus de dégâts, d'avoir plus de précision, de soigner le Blight, le Bleed et de me rendre un point de vie. Je trouve qu'il y a pas mal d'effets positifs sur cette compétence. Elle me plaît pas mal. Nazareth. Alors Nazareth, je vais changer pas mal de choses. Le Hand of Light, je vais l'enlever. À la place, je vais prendre le Party Heal. Illumination, ça rend de la torche. Moins 20 en dodge pour une cible visée. Avec moins 50% en modificateur de dégâts. Torche plus 6, Dazzling Light. Torche plus 6, ça peut faire un stun. Je vais l'enlever et je vais mettre à la place le Judgment, que j'aime beaucoup. Voilà. Comment on va dispatcher tout ça. Ok. Allez, on embarque. Alors. Apprentice. Level 1. Donc ça, c'est les Warrens. Et les ruines. Le cove. Tout, on a déverrouillé tout, hein, pratiquement. Medium. Niveau de la longue. On va refaire un parcours short. Hein, je préfère. Je préfère. On a quoi à gagner là? Ça, c'est pour un Highwayman. C'est pas mal ça. Hein. Plus 10% en trap 10 armes. Plus 4 en dodge. Là, qu'est-ce qu'on gagne? Ça c'est pour le Highwayman aussi, un Flash Fire Gunpowder, moins 20% en stun resist, plus 10% damage range skill, c'est assez intéressant. Ici, on gagne quoi? 30% au bleed resist, c'est un Blood Charm, c'est intéressant aussi. Et puis le Cove, c'est sympa parce que c'est le nouveau. C'est le nouveau donjon, on va peut-être aller faire un tour dedans. Après tout, c'est un parcours assez short. A fish on two legs, test the strength of this new menace. Ok, alors c'est décidé. On va partir comme ça. Et devant, on met donc Médusa, qui est quand même une brute dans son genre. Juste derrière, il y aura Shanner. Non. Attendez-moi. Shanner qui peut être indifféremment en 2 ou en 3 en pouvant utiliser toutes ses compétences, mais je crois que c'est pareil pour Merrek, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Merrek.
Et si je mets donc Nazareth derrière, elle peut utiliser. Ah non, elle pourra pas utiliser l'illumination. Je m'en fous un peu en fait. Je vais vraiment la prendre comme soigneuse sur ce donjon. Parce que j'ai envie de perdre personne. Provision. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour le chien, d'accord. Ok. Greatly increases the hunt's vigor for a short time, mais j'en ai qu'un. On va embarquer donc avec nous évidemment des torches, ça va sans dire. Je vais en prendre évidemment une provision assez conséquente. Du coup, j'ai plus une thune. Ouais, je vais peut-être en prendre un petit peu moins. Parce que j'aimerais bien embarquer quand même une clé, admettons. Ah, et puis il y a la nourriture, sinon je peux pas me passer de nourriture. Parce qu'à un moment donné, on va sûrement m'en demander. Il n'y aurait pas moyen de revendre des trucs qui me servent pas. Trinket inventory. Non, j'ai rien. Non, je n'ai rien à vendre. Merde. Ouais, ça va être un petit peu chaud, ça, quand même. Bon, on va faire les choses autrement. Je vais laisser tomber ce qui est clé et pelle, tant pis. Quoique, la pelle, il m'en faut au moins une, parce que si je tombe sur un tas de gravats, j'ai pas envie d'avoir l'air con. Je vais prendre 8 bouffes. Puis tout le reste, ça sera en torche. Voilà. Je suis un petit peu juste en thune, là. On va voir ce que ça donne. Surtout que j'ai pas du coup de compétences. Ah si, le. Non, 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 j'ai personne qui peut remettre de la lumière avec une de ses compétences. Bon, on verra bien. Allez, on est parti. Voilà donc cette nouvelle région qui a été ajoutée très récemment. Le Cove. Voilà. Et voilà à quoi ressemble ce donjon, donc qui est un donjon court. Hein. Alors, il est fait d'une telle manière que ouais, je vais être obligé d'aller par là, puisque mon but c'est de faire 100% des Battle Rooms et je sais pas où elles sont. Donc, on va commencer par se diriger par là. Quoique. Oui. Ok. Je suis en train de penser que j'ai pas trop regardé les compétences de Merrick au fait. Parce que c'est la première fois que j'ai jamais joué de Houndmaster. Alors, Hound Rush. Ranged. Accuracy 85%. Ça fait des dégâts normaux. Et la cible saigne. Et sur soi, on a plus 15% damage versus Beast. Et plus 60% damage versus Marked plus. Ok. Ça, c'est le Hound Harry. Oh la vache, il se jette sur tous les ennemis qui sont en face. Par contre, les dégâts, c'est moins 80%. Hein. Mais on fait du bleed quand même, donc c'est assez intéressant. C'est que un point de vie en moins hein, par tour. Mais quand même. Guard dog. Target. Guard ally self. Plus 15 en dodge. Intéressant. Ah, il a également lick wounds. Lécher les blessures. Il peut se soigner à hauteur de 5 points de vie. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Ouais, ça, il y a un mélange de défense, d'attaque. C'est assez intéressant. Puis il y a ces autres compétences-là que je n'ai pas encore regardées. De toute façon, pour l'instant, il ne les a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on est où là? On est là. Encore un objet. Merde. Diurnal. Moins 2 en speed if torch below 26. Ouais. On va espérer que la torche ne descendra jamais aussi bas. Ok, voilà les fameux hommes-poissons. Alors, c'est quoi un petit peu leurs caractéristiques? Ils ont 14 points de vie, ils sont assez costauds. Ils résistent pas très très bien au stun. Ils résistent plutôt bien au bleed par contre, donc ça nous arrange pas. Ils font 5 à 8 dégâts, ce qui est quand même assez fort. Et ils ont 80% de chance de toucher un héros. Alors, on va essayer de faire quoi? Le bleed, donc ça marche pas bien contre eux.
Je pense qu'il va se contenter d'une attaque pour le moment. Hein. Mais il peut attaquer n'importe lequel, c'est ça qui est intéressant. On va attaquer celui-là. Ah, et le bleed a fonctionné. C'est bien ça. Bon, ça commence à décaliner là. Allez. Ils sont rapides en plus, hein, parce que vous voyez, ils ont l'initiative. Voilà, c'est seulement là que j'arrive à reprendre la main. Alors, ils sont pas très forts avec le stun. Oh putain. Du coup, j'ai raté mon coup, j'ai un debuff. Fais chier. Finish him. Il n'y en a aucun qui est en stun, c'est dommage. Can slice, ça c'est pour faire du bleed. C'est du bleed qui est puissant lui. Hein. C'est 3 points pendant 3 tours. Hein. Ce qui fait qu'au total il fait 9 points. Il y a le flashbang aussi. Ou alors simplement se contenter d'une attaque. Plus 90%. Ouais, ils sont ni humains ni marqués. Alors ça c'est pas terrible. C'est chiant. Non, bah il va faire son attaque normale. Il est assez costaud. Alors, Divine Grace. Allez. Toi, t'es là pour soigner. De toute façon. Code fort, là. C'est cool. Il a son saignement là, l'air de rien. Il trouve le moyen d'aller l'attaquer tout au fond. Hein. Il nous saoule un peu. Alors lui, l'avantage, c'est que le clébard, il peut attaquer n'importe qui. Y compris celui-là qui est derrière. Ça lui fait une mobilité qui est drôlement appréciable. Et en plus, il est rapide. Il réattaque derrière. Et vas-y, mon gars. Et il le fout en saignement. C'est bien tout ça. Allez, on soigne tant qu'on peut. Ah, il décide à attaquer Chaner. Oh, critique. Ouais, ça lui redonne du coup un peu de baume au cœur. On a pris quelques blessures quand même. Il reste 2 tours pour avoir le moins 20% en damage et en dodge. Alors, est-ce que c'est une battle room? Oui, c'est punaise. C'est une battle room. Alors lui, il nous a fait un gros coup de stress là, avec une attaque spéciale. Je vais essayer de lui faire ça, moi. T'as l'autre con derrière. Il va prendre la vie. Ah punaise, ils font des attaques quand même, c'est terrible. Flashbang. Plus 15% contre les humains. Ah bon. Là, ça peut... ça peut faire très mal. Effectivement, ça a rendu du moral un petit peu. C'est bien ça. Alors, lui qui peut attaquer n'importe qui là, c'est intéressant d'éliminer le prêtre là. Parce que lui, il est chiant. Alors maintenant, faut faire des soins. Il n'y a pas à chier. J'aurais bien aimé un soin critique. Puis, une incantation de stress. Oh là là, 34 en stress. Punaise, là ils se mettent un buff avec une protection pendant 3 tours. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Un flashbang, il résiste comment au stun? Il résiste pas mal, 25%. Et au bleed, 60 et 20. D'accord. On peut peut-être faire un petit hook and slice là. Sur elle. Ah non, je peux pas, merde. C'est sur le troisième et quatrième. Ça marche pas. Je vais essayer. Le stun, il est à combien? 25. Il a résisté. Par contre, il est stunné. Ça, c'est bien.
L'incantation de stress, décidément, elle s'acharne sur lui. Nous devons garder courage, dit-elle. C'est gentil de nous encourager, mais... C'est vrai que... Ça commence à être un peu emmerdant, cette affaire-là. Ah, cette esquive pourrie là. Bon, il était stunné donc il a pas pu jouer, ce qui nous arrange évidemment. Assez de cette saloperie là. Elle est en bleed, ça c'est bien. Oh, le tentacule là, il m'a repoussé carrément tout au fond. Alors elle va pas réfléchir, elle va continuer à faire ses soins. Une barrière. Alors lui, il peut plus faire grand chose à cette distance là. Si, il peut faire un méchant hook'n slash, ou alors il peut essayer de... Ouais, il l'a stunné. C'est bien ça. Il est assommé. C'est parfait. Alors... Tiens toi. Ça va te faire tout drôle. Alors c'est encore elle, mais elle peut pas faire grand chose. À la rigueur, elle va faire un adrenaline rush. Voilà, comme ça elle se met en buff. Lui, on va commencer à le faire revenir à la bonne position. Ouais, il a une haute protection effectivement. Mais on s'en fout. Je vais faire un soin sur tout le groupe. J'aurais préféré que ça soit un 3 points, mais bon, tant pis. Alors, son stun est défait. Et il revient à la deuxième place, qui m'arrange énormément. Alors, j'ai un finish him. Ah oui, mais non, il n'est pas stunné, donc ça sert à rien. Il n'est plus stunné. Oh, c'est tout, on va l'attaquer comme ça, de front. Mais c'est vrai qu'il a quand même une défense assez impressionnante. Il a 58% en... protection en fait, c'est assez énorme. Dodge. Il a résisté au saignement. Alors. On va finir par l'avoir. On va faire un soin sur tout le monde. Ah, un soin à 3 points sur tout le monde, ça c'est rentable. Il est en bleed lui, attention à ça. Vraiment solide hein, cette créature là. Je dois dire que dans l'extension, ils ont quand même ajouté des... Ils ont ajouté des trucs, des créatures assez costauds, j'ai l'impression. Et encore un soin à 3 points pour tout le monde. C'est cool. Il peut lécher ses blessures. Ça, il va plutôt attaquer. Il résiste encore au bleed. Mais sauf que cette fois, je pense que c'en est fini. On a trouvé ça, dites-moi. Pour un Highwayman. Alors, j'en ai pas ici, mais on va le garder, évidemment. 4 crests, ça tombait très bien. C'était un truc qui manquait, les crests, tout à l'heure. Alors là, on a des positions qui sont inversées, il me semble. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Ok. Ah, des trésors. 100 pièces d'or. C'est bien. C'est assez remuant quand même, hein. Je veux dire, on en baffe quand même un petit peu sur ce coup-là. Alors, on va aller voir ce qu'il y a par ici. Et évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dans le couloir, puisque je n'ai pas réussi. Ah, et lui, il saigne. Non, j'ai pas de pansement, j'avais pas assez de sous pour pouvoir en prendre. Quand on voit que j'ai déjà plus que 4 torches, ça me fait un peu flipper. Je me demande quand même si...
Ça y est, le saignement est terminé. Alors, ouais, il n'y aura pas de combat dans ce couloir, c'est déjà ça. Et merde, le message résonne dans l'esprit du héros. Thanatophobia. Ouais, moins 20% en stress, en résistance au stress si les points de vie sont en dessous de 50%. Oh, putain. Il se tape des afflictions, il se tape. Le jeu. Ce jeu nous. Déteste le joueur cordialement quand même, hein. C'est quelque chose. On va pas faire tout de suite la torche. Ah, y a rien en fait dans cette salle, d'accord? Une espèce de baleine ici là qui a les tripes à l'air. Ok, bon, et ben on n'est pas encore au bout du rouleau, hein, je peux vous le dire moi. Alors on va repartir dans ce sens-là. Évidemment. Ah, ils ont faim. J'avais acheté de la nourriture. Avec 20% damage plus stress damage. Il faut leur donner à bouffer. Hein, de toute façon, je veux pas trop risquer leur peau. Hein. Si je vois que ça se passe pas bien, on quittera le donjon. Quitte à évidemment prendre des malus d'abandon. Alors, il semblerait qu'on ait scouté la pièce qui va vers là. Donc ici, il y aura pas, il y aura un piège. Le problème, c'est que j'ai pas de highwayman avec moi. Ah, il flippe, il y a du stress, une augmentation du niveau de stress là. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. On est à combien là? On est à 60. Allez, on va en remettre une petite. On remonte à 85. Éviter de trop monter en stress quand même. Hein. Et on va se diriger par là. Donc là, il y a une espèce de petit coffre. Heirlooms. Des crests encore, c'est bien ça. Il va y avoir un piège aussi. Ça y est, le stress est déjà de retour. Ah, ils ont encore faim, mais c'est pas possible. T'arrêtes pas de bouffer. Alors, qui serait le plus doué pour déceler les pièges? Certainement pas la Médusa. À la rigueur. Ouais, peut-être un. Peut-être un plus. Un chasseur de primes, ou alors lui avec son clébard. Ah, je sais pas. Le chien, ça peut sentir des choses. Ouais, il a réussi à le. Ah, bah, c'est bien parce que ça tombe très bien. Il était avec un stress très très élevé. Donc là, le fait d'avoir réussi à virer ce piège, ça lui a permis de récupérer un petit peu de confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette salle? Ah, rien. Eh ben écoutez. Une torche, ça nous arrange. Un stun stone. Ah, stun skill chance, plus 20%, moins 2 en dodge. Ça peut être intéressant pour tous les compagnons qui ont des compétences qui reposent sur le stun. Là, lui, par exemple, il a un flashbang. Donc vous voyez, si je l'équipe avec ça, il aura moins en dodge. Par contre, ses probabilités de faire du stun seront augmentées d'encore 20%. C'est pas mal, hein. Je vais lui donner ça. Je pense que ça peut lui servir. Putain, 49 la torche. Allez, 74, 99. Voilà. Oh, jolie esquive, bien joué. Ils attaquent tous avant nous, hein. C'est dingue ça. Hein. Alors, est-ce qu'on tente un stun? Ouais, ils ont pas beaucoup de probabilité hein, de résistance au stun. Alors lui, il a été assommé. Alors lui, c'est contre les bêtes. C'est une bête ça? C'est considéré comme quoi ça? Attendez voir. Pelagic Cooper. Eldritch. Non, je pense pas. C'est pas considéré comme une bête. C'est dommage. On va essayer de les faire saigner. Ah non, ils ont 50% de résistance. C'est pas terrible. Oh,
Oh, j'essaye quand même. Sur les trois, il y en a peut-être un qui va morfler. Non, ils ont tous résisté. Alors, faire un coup d'adrénaline, elle. Pour se mettre en buff. Divine Grace. Oh, regardez-moi ça, le joli critique. Tiens, ça lui redonne du moral. C'est superbe. Donc, on n'a pas réussi à les faire saigner. Par contre, regardez, l'autre là-bas, là, il est stunné, là. Ce qui veut dire que là, j'ai plus... elle est où, mon attaque Ah non, mince, je me trompe. C'est... je me trompe. C'est pas lui qui a un bonus contre ce genre de choses. Il va retenter de le faire saigner. Ouais, il y en a deux qui sont en saignement. C'est bien, ça. Boum, dodge. Bien joué. Belle, belle, belle esquive. On va redonner des points de vie. Ici, à Merek. 3 points. Alors, j'ai quoi là? J'en ai qui saigne. Alors ça peut me faire, effectivement. Voilà, bleed. Non, c'est où le finish him? Voilà. Ah merde, c'est sur quelqu'un qui est stunné. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, ça m'énerve. Finish him. Ok. On va faire une bonne vieille attaque frontale. Et maintenant, il est temps qu'elle passe à l'action, notre petite miss là. Allez, dégage. Saignement, rush. J'ai pas de combo, c'est chiant ça pour faire une personne qui peut marquer les créatures, c'est un peu dommage. Elle va faire un soin pour tout le monde. Spear fishing, 6 points, ça fait mal. C'est quoi ces bases de dégâts? 5 à 10. Ouais, 6, c'était même pas si, si vigoureux que ça. Bien. Ça devient intéressant. Voilà. On trouve une clé. Crest, shovel. Ok. Bon. Ça se passe pas trop mal. Ok. Battle room. Battle room. Oh, avec eux là. Oh punaise. Ah, en plus, ils prennent l'initiative, ils nous font saigner. Calmez-vous les gars. Alors, par contre, c'est lui qui se retrouve devant. Ça, c'est pas mal. C'est un humain, donc j'ai un petit bonus de 15% aux dégâts là. Ça me plaît bien ça. On va le faire. Alors, il a résisté au saignement, mais il a quand même pris cher. Ah, là, ils vont nous déplacer. Ouais. Quelle force terrible, dit-elle. Tu m'étonnes. Les dégâts commencent déjà à être conséquents. Par contre, elle va retourner. Alors, on va buffer notre barbare là. Peut-être essayer de se débarrasser de celui-là. Voilà, un de moins, ça me paraît pas mal. L'autre, elle lui fait la barrière donc. 25% en protection, laisse tomber. Incantation de stress, il avait vraiment pas besoin de ça. Et oui, du coup, abusive. Wherefore, heroism. Ouais, on l'a perdu un peu là, sur ce coup-là. Lawbreakers, all of you. Du coup, il impacte le moral de tout le monde. Fait chier. Ouais, il est en affliction abusive. Faudra voir
peut-être exactement à quoi ça correspond. Ce qui est dommage, c'est en plus, c'est qu'il a pratiquement tous ses points de vie, quoi. Il n'a pas pris de beaucoup de dégâts dans l'histoire. Il va tenter de mettre en saignement un certain nombre de personnes. Ah là là, il se fait attaquer en plus. Alors, il est temps peut-être de se fâcher tout rouge. Elle va peut-être tenter le stun en combo après avec... Ah, il est stunné. Alors, si on pouvait faire un combo... I need a bandage, dit-il. Bah oui, je sais bien, mon gars, tu saignes. Mais malheureusement, des pansements, j'en ai pas. Là, on a, vous voyez... non, ça, c'est pas bon. Voilà, plus 25% de dégâts contre les personnages stunnés. Donc là, c'est l'occasion idéale. Oh putain, 3 points seulement. C'est terrible. Terrible. On va tant pis prendre le temps encore de la déplacer, celle-ci. On va récupérer notre formation de base. Et c'est un nouveau tour qui commence. Est-ce que je rends des points de vie à tout le monde? Ça serait peut-être pas idiot. Ouais, à tout le monde. Voilà. Oui, je sais que tu saignes. Mais ça y est, c'est terminé. Le saignement est passé. Donc il n'y a plus personne qui est stun là. Du coup, donc le finish him ne sert plus à grand chose. Il y a le hook and slice qui pourrait faire très mal derrière là. Enfin, ceci dit, elle saigne déjà là-bas, mais elle a combien de résistance au saignement elle? 1%. Je vais essayer de faire le hook. Ouais, c'est bon ça. 4 dégâts par tour elle va prendre. Autant dire que pendant 3 tours, il n'y a même plus besoin de la taper, elle va mourir toute seule en fait. Elle va mourir toute seule. Target. Beast. C'est une bête ça? Pélagique gardien, non. C'est pas une bête. C'est un Eldritch. Un Eldritch, pardon. Étant donné dans l'état qu'il est, lui, au niveau du stress, je crois que... Ah non, c'est seulement sur un allié. Il peut pas le faire sur lui-même. D'accord. Ah, c'est marrant, ça. Il peut garder, protéger un allié. C'est sympa, ça. Il peut soigner ses blessures, mais ça apportera pas grand-chose. Non, il va attaquer. Il a résisté au saignement. C'est normal. Alors, il peut frapper... elle peut frapper celui qui est derrière. À l'arrière, peut-être les éliminer et puis s'occuper de l'autre con après. Hein. Ça pourrait être une solution aussi. Hein. Le Iron Swan, là, derrière, il fait mal. Hein. Allez. Boum. Tiens. Un de moins. I'm the judge, the jury and the gallows. Il m'inquiète un petit peu, je dois dire. Oh non. Elle a raté. Putain. En plus, l'IA est vraiment féroce. Parce qu'ils s'en prennent... à celui qui est déjà Eldritch Putsch. Donc là il va me pousser en arrière. Chier. Et toujours la barrière. Mais elle est condamnée à mourir de toute façon hein. Ce qu'on va faire. Je vais pas la remettre tout de suite là-bas. Il faut que j'avance dans ce combat. Là, autant qu'on peut, peut-être qu'il va se mettre en bleed pour le moment, non. Alors, can slice. On va essayer de le flashbang. Ah, il est stunné, c'est très bien ça. Il est stunné, par contre il est en troisième position, ce qui arrange pas du tout notre barbare. C'est chiant ça. Ça c'est pas très intéressant. Iron Swan non plus. Ou alors à ce moment-là enlever le truc qui est devant. Là. Voilà, comme ça ils vont basculer devant. Ok. Là il est temps de faire un soin assez important sur lui. S'il avait fait un critique, ça aurait été encore mieux. Alors il est stun. Elle va crever de toute façon, c'est pas la peine de l'attaquer. Prochain tour, elle morfle. Alors lui il est stunné toujours.
Alors malheureusement il est pas bien placé lui. Donc on va le ravancer là parce qu'il peut pas utiliser ses compétences, ce qui est quand même un petit peu agaçant. Là il y a le stun est passé. Il m'inquiète. Ouais, il a un impact négatif sur tout le monde. Tellement il est pas bien. Ah, ça résiste bien au blitz, hein. Ce qui est normal hein, d'ailleurs, hein. C'est une espèce de poisson. You belong in cells. Allez, ping. Ouais, avec ses propos, en fait, il impacte tout le monde. Il impacte le moral de tout le monde. En même temps, on peut pas trop lui en vouloir. Il est en train de péter un câble, le pauvre. Allez, on finit. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ah, on a un coup de... C'est pas mal, ça. On a fait un coup de... Punaise. Donc, il lui reste combien de temps encore? 2 rounds. Bon. Alors, on va remettre les positions à la normale. Voilà. Abusive, ouais. Il va falloir qu'il termine le donjon dans cet état-là. C'est ça qui est chiant. Bon, les autres arrivent à tenir à peu près le coup au niveau du stress malgré les paroles extrêmement négatives de Merek. Alors on est là, il y aura un combat qui nous attend dans le couloir là, malheureusement, et 2 trésors. Et à mon avis, la dernière salle Battle Room se trouve ici. Continue à utiliser le abusive. Alors, une tripotée de... Oh là. Oh putain. Alors lui, il est à aux portes de la mort. Autrement dit, s'il y en a un qui, par hasard, le cible, il a de fortes chances d'y passer. C'est pas cool. Non, il résiste à 50% au blitz, c'est pas une très bonne idée. On va garder ce compagnon. Voilà, qui est gardé par Merek. Soin de toute urgence pour le sortir des portes de la mort. La vision s'éclaircit, dit-il. Oh là là, Merek, arrête, je t'en supplie. T'es en train de ruiner le moral de tous tes camarades. C'est assez atroce. On va voir si dans le tas. Bon, le critique a rendu un peu de morale et il y en a 2 qui saignent. C'est pas trop vilain. Par contre, il est de nouveau aux portes de la mort. Putain, on va finir par le perdre si ça continue. Il suffit qu'il y en ait un qui le vise et que... Et que ça foire. Là, le combat est brutal. C'est assez difficile. Perdre combien, là? C'est que 1 dégât par tour. Hein. Allez, cogne. Allez, faut sortir de là. Danger provisoirement écarté. Injury and despondence set the stage for heroism. Oh putain. Or cowardice. Steady, my friends. Bah oui, steady, mais on prend cher quand même sur ce coup-là. Hein. Tiens, allez, elle se déchaîne. Putain, elle,
commence à prendre de sérieux dégâts elle aussi. Oh, un critique. C'était le bon moment pour faire un critique. Ça c'est bien. Il résiste très peu au stun. On va essayer de stunner les deux qui sont devant là. Ouais, ça c'est bon ça. Ah, il a récupéré tout de suite, mais... Alors. Il n'y en a pas un qui save là. Ouais, si, mais... En fait, ça sert à rien. Moi, je pense qu'il va... Ah non, 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 faut pas qu'il lâche ses blessures. Il le fera après, quand on aura éliminé un peu du monde. Voilà, parce que... De rien... Voilà, il s'en prend à la Vestale. Putain, c'est brutal, brutal, brutal. La Vestale n'arrive plus à... Elle est aux portes de la mort, allons-y. C'est pas possible. Bon. Soigner un peu là. Encore. Merde, la tour porte de la mort. A hand's breadth from becoming unwound. Ouais. Le moral commence à être très très mauvais. Précipitates a dizzying fall. Ah bah dites-moi, c'est la cata. Lui il est aux portes de la mort, on va l'en sortir avec. Ah bah non, j'ai plus de bouffe. Oh putain. Donc là je récupère une torche. Le stress, j'ai pas besoin d'en accumuler davantage, on est déjà bien assez stressé. La question se poserait presque de savoir si j'abandonne, mais parce que je suis pas du tout sûr. Ouais, elle récupère du moral, ça, ça lui fait du bien, parce que franchement, il faut dire que depuis tout à l'heure, avec son abusive, Merek nous fout dans une merde pas possible. En augmentant le stress de tout le monde, en fait, par les paroles qu'il prononce. Oh putain. Oui, stress wave, ah bah tiens, c'est parfait ça, c'est vraiment le truc dont on avait besoin. Alors on va sortir Shanner des portes de la mort. Lui je vais essayer de lui faire mal derrière. Tiens, allez, hop. Un mort dès le premier coup, ça me va très bien. Bleed. Essayer de les mettre. Un qui est en bois seulement. 6 points sur la Vestale. Elle est aux portes de la mort. We will save you. Te sauvera. C'est gentil. Résiste à 50% au stun celui-là. Ouais, il n'y a que celui qui est tout au fond. Il n'y a que 10% de résistance au stun. Je vais essayer de faire ça. Ouais, c'est bien. Ça s'est passé. Il va perdre 3 points par tour. Ça va lui faire très mal. Ça. Ennui ? Comment ça, ennui ? Oh là là. On se prend de ses attaques, je vous dis que ça. En même temps, c'est une salle avec un...
elle a résisté, hein. Ouais, elle aurait pu y passer sur ce coup-là. Elle a résisté. On peut essayer un stun. Il résiste à combien au stun? 50 et... Non, 50 et 50, ça n'est pas la peine. Elle va plutôt attaquer comme une sauvage. Voilà. Lui, il pourrit le moral de tout le monde. Soigner ses blessures, ça servira à rien. Il peut essayer de protéger... Non, je pense qu'il faut... Ouais, c'est ça. Là, plus vite on se débarrassera de ses crevures. Et le mieux, ça sera... Alors, j'ai du finish. Non, finish, c'est pour le stun. J'arrive pas à me le mettre dans la tête, ça. Flashbang. Oh, la vache, c'est que c'est coriace, ce machin-là. Là. Ça résiste au beat, ça. Pas... Non, tiens, elle va se soigner elle-même pour se sortir des portes de la mort. Déjà, ça te prie. Elle a bien fait parce qu'elle se refait attaquer aussi sec. Et la revoilà aux portes de la mort. Putain. C'est pas possible. Belle attaque ça. Et avec le bleed en plus, il lui reste un point de vie. Donc au prochain tour, il crève. Donc lui déjà, c'est fini. On est débarrassé de lui. Faudrait trouver un moyen dans 50 au stun, ça va pas, c'est trop, 50 de résistance au stun. Non, bah, j'ai pas le choix, faut que je le tape comme ça. Ceci dit, il a pas beaucoup de points de vie, hein, mais il a 75% en protection. Ah, lui il est mort. M'achever cette merde là, voilà. Quest complete. Ah putain. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Une clé, j'en ai pas trouvé une, si. Hein? Ah bon. Bah, bon, c'est bizarre. J'ai trouvé un debuff charm. Plus 20% en debuff resist. Moins 2 en dodge. Est-ce que je me tente la dernière salle? Je crois pas. C'est terminé pour moi. La quête est complète. On a réussi à survivre. On va arrêter les conneries. On est dans un état plus que lamentable. Donc, on va se contenter de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Voilà. Allez, on en a eu des crests. Hein. Ça va nous servir, ça. Voilà, on a récupéré donc l'objet de quête qui était ici. Le Collective Treasure, on a 2325 plus les 3000 de la quête, de la récompense de quête. Donc on va se retrouver avec plus de 5000 pièces d'or. Et puis ça là, plus 30% de résistance au bleed, ça c'est vachement bien. Alors, ils sont tous passés en résolution 1. Et il y a Shanner et Nazareth qui ont un nouveau perks. Alors... Obsessed with Sainthood, obsédé par la sainteté. Et Hard Noggin, ça, il résiste plus facilement au stun. Nazareth, c'est que du positif. Plus 15% dégâts contre les humains, plus 15% de stress. D'accord, donc c'est un. Elle déteste les humains. Donc elle résiste plus facilement au stress contre les humains et elle leur fait plus de dégâts. Dites-moi. Les descentes dans les donjons, c'est toujours quelque chose, hein, dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? On a récupéré Lone Wolf, voilà, qui est Cyanure. C'est lui qui est parti en errance, on ne sait où. Donc on le récupérera un de ces quatre. Voilà, on ne sait pas quand, mais on le récupérera. Les autres sont passés à 1, donc ça c'est une très bonne chose. Par contre, on en a effectivement qui sont dans un sale état là. Miséricorde, on a réussi à lui soigner un de ses soucis. We'll only pray for stress relief. Donc c'est ce qu'on va faire avec lui. Il n'accepte que. Oh, j'ai eu peur que le caretaker avait pris ça, mais non, c'est bon, la prière est disponible. Donc on va y placer Miséricorde parce qu'il est quand même essentiel à notre aventure. C'est vraiment le tank, c'est le seul qu'on ait pour le moment.
Merek, il va falloir faire quelque chose pour lui de toute urgence. Il a son affliction là abusive. Il faudrait lui enlever. Witness, non, ça on s'en fout. Ah, je peux pas lui enlever, merde. C'est. Il n'y a pas de maladie. Non, je peux pas lui enlever ça. Mais à mon avis, ça va pas rester. Ce qu'il faut, c'est le mettre. Alors, il veut pas participer à des prières. D'accord. Why not? Moi, je le vois bien, un mec comme ça, je le vois bien à la taverne, participer au gambling. Voilà. Et le problème, c'est que mes sous sont en train de disparaître à grande vitesse et je ne veux pas compromettre plus que ça mon prochain. Ou alors, je peux peut-être revendre des trucs. Non, je peux pas les revendre. Ouais, parce que j'ai Chaner aussi qui est en stress maximum, mais il sera soigné plus tard, hein, parce que là, je peux pas me permettre. Il y a Médusa aussi qui est pas super en forme. Ça m'ennuie parce que je vais manquer d'un gros balèze. J'aurais pas un. Oh. Un pilleur de tombe ici, ça m'intéresse ça, j'en ai pas encore des pilleurs de tombe. I'm ready to go. Allez, tu m'étonnes. Pour augmenter le roster, ça me coûterait quoi? Non, j'ai pas assez de ça. Les deeds, j'en ai pas assez. Je vais quand même prendre le Grave Robber parce que. J'en ai pas encore. Elle est jolie, hein? S'il y en a un d'entre vous qui est intéressé par ce personnage, faites-le moi savoir. Encourage. Ah, c'est bien ça. Pour réduire le stress. Il faut. C'est vrai qu'il faudrait dans l'idéal un soigneur. One companion, heal 20%. Ah. Et 33% de chance d'enlever le bleeding. C'est pas mal. Hein. 25% de résistance au stress sur un compagnon. Remove target disease. Wow. Reduce stress. Increase stress. C'est sur tous les compagnons. Sur soi seulement, elle réduit le stress de 25. Si elle le fait sur tous les compagnons, il y a 75% de chances qu'elle réduise le stress de 20 et 25% de chances qu'elle l'augmente de 10. Donc c'est un petit peu. C'est intéressant. Produces a supply item. Ah la vache. Elle est complètement. La dérobeuse de tombe là. J'ai même l'impression qu'elle a pas une seule attaque. Ah non merde, c'est les je suis dans les camping skills, n'importe quoi. Oh là là, j'étais dans les camping skills. Donc flashing daggers, ok d'accord. Lunge. Pick to the face. Ça c'est son attaque de mêlée de base. Shadow fade. Thrown dagger. Ok. Enlever de la résistance au saignement à une cible. Intéressant ça. Poison Darts, ça fait du Blight. Ah, du Blight à 3 points de dégâts par tour, c'est assez intéressant. Et Toxin Trickery, qui donne du dodge et qui peut permettre de guérir Blight et Bleed et qui donne également plus 5 en speed. D'accord. Ok. Pour la prochaine expédition, ça va être compliqué parce que. On a Chaner ici qui est en stress maximal. Et j'ai pas vraiment de personnage qui se sent très à l'aise en première position. Médusa, elle est rendue ouais, à 78 en stress. Donc c'est un peu compliqué de la renvoyer dans un donjon la prochaine fois. Miséricorde. J'aurais peut-être dû garder Miséricorde en fait. Surtout qu'il résiste énormément. Ouais, parce que là j'ai pas de guerrier de disponible là. C'est un peu embêtant. Ok, eh bien on verra ça la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Ciao!